Bon, alors moi, le vin déjà que je fais, c'est le vin que j'aime boire. Je fais des vins voilà, qui me conviennent, qui me plaisent, comment dire ça. Et pour moi, le vin, à l'heure actuelle, ne doit être que issu d'un jus de raisin, rien d'autre. Alors, pour arriver à vinifier dans cet esprit-là, il faut arriver à trouver dans la vigne un équilibre, je dirais presque parfait. Je crois que c'est la clé pour arriver à faire des vins sans les modifier, sans mettre d'intrants, quel qu'il soit, sulfite, acide, bon, pas mal de choses. Cet équilibre, c'est quoi? C'est entre quoi et quoi? Comment ça se passe? Ben, l'équilibre, c'est d'arriver à faire qu'on ait le moins possible à intervenir dans la correction sur les jus. C'est ça. Alors, pour arriver à cet équilibre, il faut qu'on ait des sols qui soient vivants, pour qu'il y ait une vie dans les sols, qui fait que ça va aérer les sols, que ça va les nourrir, qui fait qu'il y a une faune et une flore autour qui vont aider la vigne. Et comme ça, on arrive à trouver des équilibres. Moi, j'ai fait la différence. Même avant que je vinifie en naturel, je travaillais les sols dans cette idée-là. Il n'était pas question de mettre des herbants ou engrais, pesticides, tout ça dans mes vignes, parce que je n'avais pas cette idée-là. Mais j'ai acheté dans mon parcours des vignes qui avaient été, disons, travaillées avec beaucoup de chimie. Et quand j'ai voulu les vinifier, ça a été une catastrophe. À l'heure actuelle, je suis en train de faire des analyses sur des terres que je vais planter. On est en train de faire des analyses poussées. On va aller voir la biomasse qu'il y a dans la terre. On va essayer de regarder. Bon, ça, je le fais faire avec des laboratoires spécialisés, bien sûr. Je me fais aider d'un technicien passionné qui travaille sur la chambre d'agriculture de Nîmes. Et on est en train de voir comment sont les sols. À partir de là, on va apporter par des engrais verts, par des céréales pour aérer le sol. On va préparer la terre pour pouvoir y poser dessus une vigne qu'on aura fait greffer par des greffons sélectionnés dans d'autres parcelles que je connais de vignerons, ce qu'on appelle la sélection massale, hein, ça me passait. Voilà. Et comme ça, voilà, on arrive à créer quelque chose qui est un équilibre et qui fait qu'au bout du compte, on arrive à vinifier. Enfin, la plupart du temps, des fois, il peut y avoir des accidents, mais la plupart du temps, on arrive à le vinifier sans trop de problèmes.